Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Cartoon Kingdom. Je vous avais déjà présenté il y a quelques mois le prototype justement de Popeye, vidéo que l'on va découvrir aujourd'hui. J'ai reçu donc la version finale pour ma propre collection. J'ai choisi une des deux versions, vous allez découvrir laquelle. Et on va donc redécouvrir cette statue, mais cette fois-ci avec le packaging, le montage, afin d'avoir une vidéo ultra complète. Visuel de la boîte, par devant, nous retrouvons un visuel toujours gold et blanc, le logo CK pour Cartoon Kingdom avec la petite couronne, Cartoon Kingdom et puis le nom Popeye. Sur le côté, petit visuel avec des petits triangles, des couronnes et on retrouve le gouvernail du bateau de Popeye. Sur l'arrière, les spécificités et je trouve ça hyper ingénieux, l'arrière de la boîte par Cartoon Kingdom, on a le titre, on a la version, il y avait une version spinach où le bateau était vert et une version olive où le bateau était rouge. Vous pouvez constater qu'il y a un petit V dans olive puisque moi j'ai choisi la version rouge pour ma collection. Ce que je trouve super intelligent, eh bien c'est ceci, c'est les différentes informations sur la statue, l'échelle 1,6, le poids, elle fait 7 kg, les dimensions 44 par 30 par 22, super intelligent d'avoir mis ça juste là, c'est en résine et en PU et il y a 100 pièces de chaque coloris. La statue est représentée juste là, on a Popeye en train d'écraser sa boîte d'épinards sur la proue du bateau. Les codes-barres, les warnings habituels et de l'autre côté, on revient sur la même chose. Au-dessus, Cartoon Kingdom en blanc sur de l'or, en dessous, strictement rien. Passons au montage. On est sur un petit polystyrène, mais par contre, la statue n'est pas petite en soi. On retrouve à l'intérieur une enveloppe comme ceci. Je découvre en même temps que vous, puisque ça, je ne l'avais pas vu moi dans le prototype. La petite enveloppe avec la cire, le logo CK. Je décachette cela proprement. Ok, on peut le retirer facilement sans abîmer quoi que ce soit. Je vais le mettre juste ici et à l'intérieur, on retrouve le certificat d'authenticité sans exemplaire. La mienne est la numéro 46. C'est orné d'or tout autour. On a Popeye qui est écrit en lettres d'or et Popeye en bleu pour la licence juste en dessous. On a le petit logo holographique CK. Ce certificat garantit la fabrication, la production ainsi que la qualité Cartoon Kingdom. C'est écrit en français, c'est plutôt appréciable. L'enveloppe, je kiffe aussi, elle est sur un noir métallisé. Ça donne un certain luxe au packaging. Je ne boude pas mon plaisir. Ça, je garde, je le mets à l'intérieur. Ça fait partie pour moi du packaging et j'adore. On retrouve donc le tout comme ceci, le bateau, les différents éléments. Je vais sortir tous les éléments et on assemble ça ensemble. C'est parti. Tous les éléments sont sortis ici juste sur le côté, il y a un petit peu de montage mais rien de bien compliqué. Il n'y a pas de notice de montage mais depuis peu, notre ami Clément qui travaille pour Cartoon Kingdom réalise sur la chaîne YouTube de Cartoon Kingdom des vidéos unboxing de montage. Elles sont très bien faites, très explicites, un humour plutôt cool de la part de Clément qui est de plus en plus à l'aise devant la caméra. Donc je vous conseille d'aller voir les vidéos si vous avez peur de ne pas savoir monter la statue par vous-même. On est parti, la base. La base, en dessous, nous retrouvons très jolis stickers en couleur. Popeye, 46 sur 100. Le petit Popeye qui est en train d'écraser sa boîte d'épinards, le logo CK et des petits patins. On est sur la nouvelle signature sur cette statue Cartoon Kingdom. On retrouve donc cette base avec le liseré or tout autour et à l'arrière de la statue, le petit logo CK qui est juste là. On retrouve posé sur cette base signature la mer avec de l'écume, des vagues qui sont en train de soulever le bateau de Popeye. J'aime vraiment ce qui a été fait au niveau de la résine translucide. Elle est bleue avec différents dégradés et sur les pointes des vagues, on retrouve la petite écume qui est blanche avec un joli petit nacre et ça aussi, c'est pas pour me déplaire. Le bateau est tout en résine, c'est assez lourd. Quand on le prend dans la main, il faut bien sortir le bateau par la proue et également par l'arrière pour le sortir du polystyrène et ça a son certain poids. C'est en résine pleine, c'est pour ça que c'est lourd et c'est très solide du coup. Le bateau est en résine mais avec une imitation bois et les planches sont plutôt bien faites dans la texture, dans la craquelure également, dans la peinture, dans le lavis. Ils ont vraiment fait un travail au niveau de l'usine impeccable. Petit liseré rouge ici tout autour pour rappeler l'amour de Popeye Olive. C'est pour ça que j'ai pris la Olive version. Mais vous aviez la possibilité d'avoir le même bateau mais avec le liseré vert ici et également pour la partie cabine du dessus, ce sera vert. Pour rappeler le deuxième amour de Popeye, les épinards. Donc petit tour du propriétaire, je trouve que c'est vraiment bien fait, les petits hublots aussi jaunes avec le reflet bleu. Propre de chez propre, il y a une petite partie ici qui a été rafistolée également à l'arrière du bateau
de Popeye avec des planches de métal et on voit des clous qui sont également mal enfoncés à certains endroits ou autres pour reprendre vraiment la signature eh bien, des dessins animés et également des bandes dessinées de Popeye. Passons au montage. Il ne doit pas y avoir de grosses complications. Si vous savez à quoi ressemble un bateau, vous n'avez qu'à suivre votre instinct et ça devrait bien se passer. La cabine est ici, petite cheminée. Pareil, le bois super bien fait, une bouée de sauvetage rouge et blanche juste là. Le dessus va s'accompagner avec le toit également de la petite cabine. On est sur un bateau qui est toujours un petit peu disproportionné, mais ça c'est typique à l'univers de Popeye. Vous allez voir que Popeye est forcément plus grand que son bateau, c'est une question de perspective. Un bateau à un sixième vraiment de grosse taille aurait été vraiment ultra gros. C'est aimanté, ça tient super bien. Le petit toit est ici, alors il y a des détrompeurs, vous cherchez les détrompeurs et vous ne devriez pas vous planter non plus. Hop, je dirais bien comme ça, regardez ça rentre tout seul, il y a un petit décroché qui est juste là pour venir épouser le tuyau de métal qui est ici avec la fameuse, comment on appelle ça, chouchou, je reviens plus sur le nom, la cheminée. La petite cheminée, on a l'impression également qu'elle est en train de hurler, elle a la bouche grande ouverte, typique des animés aussi. Alors ça, ça vient se pluguer juste là, hop, comme ceci. Sur le dessus de la cabine, on vient y mettre la cheminée, imitation métal, super bien fait aussi, avec des petits X un petit peu à gauche à droite pour faire un peu de damage. C'est aimanté, ça vient se mettre comme ceci. Le bateau commence à s'assembler. On a cette partie-là. Alors ça, par contre, j'ai une petite question. Que ce serait... Ah, j'aurais dit le gouvernail, mais non. Ça viendrait peut-être ici devant. Oui, c'est la proue du bateau, ça s'appellerait comme ça. La partie qui vient faire le longeron ici devant. Donc ça s'aimante également. Tout est aimanté, pas besoin de pâte à fixe ni quoi que ce soit. En tout cas, pour le moment, rien à dire de particulier. On a la plaque olive sur l'arrière, l'autre c'est spinache. On a le cœur avec la petite flèche et les deux petits anneaux qui sont ici et qui viennent s'emboîter. Et l'autre juste là, il faut écarter un petit peu, n'ayez pas peur, ça ne peut mal de casser, mais allez-y tout de même, prudemment. Donc les deux petits anneaux qui viennent s'emboîter à l'arrière du bateau et la petite plaque juste là. On attaque, on a la petite corde avec l'ancre, il y a un petit peg, je vois un petit peg sur le bateau et pour moi ça devrait aller comme ceci. Donc emboîter le petit peg ici et puis venir accrocher l'ancre. Oui, je dirais comme ça. La corde qui vient se mettre sur le bateau, la corde qui passe comme ça, et on viendrait pluguer pour moi l'ancre sur le bord du bateau. On passe sur Popeye. Popeye, il est ultra lourd, résine pleine également, complète. On a le costume ultra accurate du petit marin. C'est peint de façon chirurgicale. Le jaune ne dépasse pas sur le bleu passe sur le jaune, le noir ne dépasse pas sur le rouge. C'est peint d'une manière extraordinaire par l'usine. Je les salue. Même chose, les trois petits boutons en or là, ça dégueule pas sur le noir. La partie également du col de Popeye, il y a du noir, il y a du rouge, c'est vraiment au laser au niveau de la peinture. Les shadings dans le pantalon sont très beaux aussi, avec chaque fois dans les plis un bleu qui a été fait plus foncé pour souligner les lumières. Ceinture jaune, petite encre sur la partie ceinture, et puis les grosses chaussures imitation cuir. Il y a de la texture sur les chaussures aussi de Popeye, vraiment cool. Alors, lui, comment est-ce qu'il se met? Ok, il y a un pex qui est là et un petit téton qui est ici. Le petit téton va sur le bord du bateau qui était là et le petit pex ici. Alors, je regarde si ça s'emboîte bien. Ok, donc j'ai le trou qui est là. Parfait aussi, emboîté. Le petit téton rentre parfaitement dans la partie du bateau. Il a le pied appuyé dessus et puis l'autre vient s'emboîter sur la petite caisse qui est juste là. Nickel chrome, on continue. On a le premier bras de Popeye. Bon, ouais, les bras de Popeye, on les connaît. C'est des bras qui sont ultra disproportionnés. Il a des gros avant-bras de bûcheron. Et puis, il a la petite encre également qui est peinte juste là. C'est un... Je sais pas si c'est un... Oui, c'est un petit sticker. Un sticker qui est collé, mais impossible de voir que c'est un sticker. C'est noyé dans la peinture et dans le vernis. Du coup, on ne voit strictement aucune délimitation. Il a son énorme point et on va lui assembler le bras juste ici. Alors, il y a un détrompeur aussi pour le bras. Hop, je vous conseille peut-être de mettre Popeye avant la cabine au final parce que j'ai dû chipoter un petit peu pour réussir à le mettre le bras, mais il y a du jeu quand même pour le poser. Donc, bras vers l'arrière. Le deuxième bras, il est ici. Il y a la boîte d'épinards et j'ai les petits éléments qui sont là, qui eux doivent s'assembler dans cette boîte. Alors, comment est-ce qu'on met ça? Il y a un petit peg juste ici. Jusque là, je suis. Ok, donc ça fait l'ouverture de la boîte qui vient exploser. Alors, j'ai un petit anneau qui est juste là et il vient se mettre ici devant comme ceci. Voilà. Concernant la boîte, on y retourne. Je remets le petit
couvercle par-dessus et on va venir lui planter le bras et ensuite la résine de pinache, ok, pegs, plutôt bien enfoncé avec une barre de fer, donc ça ne peut mal de bouger. Ouais, plutôt cool, hein, plutôt cool. Et on a après les épinards qui sont ici avec une superbe couleur de vert avec un vernis pour faire l'aspect humide de l'épinard. Et il y a différents dégradés de couleurs aussi avec du vert foncé, certains endroits du vert un petit peu plus clair. Ça donne un super mouvement. L'éclaboussure également du mouvement de l'épinard est vraiment bien fait. C'est assez fragile, donc faites gaffe, n'écrasez pas de cette manière-là en le prenant. Vous risquez de le casser, donc faites attention à ceci. Alors, hop, il y a un pegs, vous pouvez pas vous tromper non plus, et il y a un aimant en plus. La dynamique est plutôt folle. La tête de Popeye, elle est juste là, elle est extraordinaire aussi. Petit chapeau de marin, à nouveau la peinture, ultra bien faite. Le gold sur la partie tressée du chapeau, c'est fait à la perfection, ça déborde pas sur le noir ni sur le blanc. L'œil de Popeye noir avec un petit shading également dans la couleur de la peau. La nuque, l'énorme mâchoire, on dirait deux grosses testicules sur la bouche de Popeye. Ses petites oreilles. Alors, j'ai des petits éléments qui sont ici. J'ai la langue de Popeye, j'ai un peu de pâte à fixe. Je sais pas spécialement si je vais en avoir besoin, on va le voir tout de suite. Et puis sa pipe. Alors, je regarde. La langue, je pense qu'il y a juste à l'insérer dans le trou qui est là. Alors, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait la langue séparée. Est-ce que c'est pour éviter de la casse? Du coup, on voit la langue qui est bien mise et qui tient parfaitement. La petite pipe. Voilà, c'est fait. On n'a plus qu'à poser la tête de Popeye. Elle est aimantée également. Elle ne bougera plus. Ah oui! Je l'avais vu forcément chez Cartoon Kingdom au niveau prototype quand j'étais allé il y a quelques temps. Mais la voir chez soi, la pouvoir la monter, la toucher, l'examiner de la sorte, ça a quand même son petit effet et on reprend une deuxième petite claque et je suis super content. Voilà, la petite Popeye est totalement assemblée. On est sur une échelle 1-6, c'est bien respecté. Le bateau en perspective match hyper bien. Il y a la place pour que le bateau ne soit pas écrasé par Popeye et Popeye n'est pas écrasé par le bateau. Petite merveille. Franchement, une fois de plus, je suis super satisfait de mon achat chez Cartoon Kingdom. J'ai beaucoup d'autres statues à venir parce que j'ai vraiment envie de me faire un superbe line-up complet de ce fabricant. J'ai déjà la Lucky Luke, j'ai la Assassination Classroom, celle-ci, je vais vous monter la Cobra juste après. Et puis dans les autres à venir, il y a la Schtroumpf que j'ai envie d'avoir, j'ai la Marsupilami aussi, Gadget et toutes les réalisations à venir. Cartoon Kingdom nous prépare du très 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 lourd dans les années à venir. En statut, on n'a plus qu'à se régaler et en plus on a un fabricant français qui respecte les délais avec des nouvelles façons de précommander qui arrivent prochainement, avec une nouvelle façon de précommander, fini d'attendre un an pour avoir les produits. Au moment où la précommande commence, les produits seront déjà en fabrication et lorsqu'on fera sa petite précommande, je pense que 4 à 6 mois maximum après la préco, le produit sera disponible directement pour chacun d'entre vous. Donc voilà, Cartoon Kingdom continue d'avancer. J'avais envie de vous montrer cette version Popeye avec l'assemblage et mon avis à nouveau dessus, malgré que j'avais fait la première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous recherchez cette statue, il reste encore très très peu d'exemplaires en version olive et en version spinach sur le site de Cartoon Kingdom. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer. Vous pouvez également payer en plusieurs fois. Je pense qu'on peut payer jusqu'en 10 fois par carte bancaire et également en 4 fois PayPal. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez y aller. Il reste des unités de cette celle-ci et quelques autres statues également. Au niveau de la tarification, on est à 799 €. Voilà, vous savez tout. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Vous voulez voir ces vidéos en avant-première, c'est le bouton rejoindre. Vous voulez me faire un petit don à la chaîne, c'est le bouton merci. Merci encore à tous. C'est tout pour Popeye, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.